Hello les amis, j'espère que vous allez bien. J'espère que ça va bien, que vos activités vont bien, que tout baigne quoi. Moi, ça va. Je fais cette vidéo pour vous parler de la personnalisation des produits cosmétiques. Je pense que j'en ai déjà parlé une fois dans une précédente vidéo. Ça fait peut-être un an ou plus. Salut, ceux qui passent par là pour la première fois, je suis Madoni. Je suis intermédiaire entre les fournisseurs en Chine et les clients en dehors de la Chine. Donc, je facilite les achats des marchandises, des gens qui sont en dehors de la Chine, qui veulent commander en Chine, qui veulent commander en ligne, qui veulent. Et donc, si vous cherchez quelqu'un en Chine pour vous faciliter les achats, je suis là. Je fais dans le contrôle de la qualité des marchandises, c'est-à-dire, les clients achètent parfois les marchandises chez des fournisseurs directement et puis ils ont besoin de quelqu'un pour aller contrôler la qualité et les quantités. Ça fait partie de mes services également. Je crois que dans quoi je fais. Je suis formatrice des applications chinoises, en l'occurrence au CS88. Bientôt, on aura aussi Taobao et Alibaba. D'accord? En passant, nous avons une boutique à Yaoundé, Mfundi Mall à Yaoundé, dans laquelle nous vendons des mèches. En tout cas, regardez, voilà la boutique. Voilà notre petite boutique qui est située au mall du Fundi, comme je vous ai dit. Nous vendons des mèches, des produits en question de cheveux, des produits en question de la peau, tels que le collagène, on a les vitamines C et beaucoup d'autres produits. Pourtant, également, nous ne vendons pas seulement les mèches naturelles, il y a aussi les mèches synthétiques comme l'Expression et d'autres mèches qui arrivent également. Voilà, cette vidéo, c'est pour parler de la personnalisation des produits cosmétiques. Donc, c'est juste une introduction, même quand elle sera un peu longue. C'est juste une introduction parce que dernièrement, nous avons fait personnaliser, nous avons aidé des clients à faire personnaliser leurs produits cosmétiques. La personnalisation, ça s'est passé, c'est pas souvent en deux étapes. Il y a deux niveaux de personnalisation. Soit vous voulez, c'est-à-dire qu'on fasse fabriquer des produits avec des ingrédients que vous voulez. C'est-à-dire vous choisissez vos ingrédients, vous connaissez exactement le dosage et tout, tout que vous voulez, tout et tout. Là, vous aurez votre produit, on va mettre votre logo sur le packaging et le produit sera le vôtre parce que c'est vous-même qui avez composé. C'est-à-dire vous composez vos lait de toilette et tout, composez exactement les ingrédients que vous voulez. C'est pour les gens qui maîtrisent, qui comprennent les professionnels, quoi. Qui connaissent parce qu'il faut connaître les dosages et tout et tout. Maintenant, il y a une autre façon de personnaliser les produits, c'est-à-dire vous prenez les produits de l'entreprise, les produits qui existent déjà et là on change juste, on met le logo et tout et tout. Donc, il y a ces deux façons-là. Maintenant, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est au niveau de la quantité. Pour faire personnaliser vos produits, c'est-à-dire avec vos propres ingrédients, les ingrédients choisis par vous-même. Là, la production, la quantité, les quantités seront vraiment, vraiment, vraiment énormes. Parce que ce sont vos produits et ce sont des productions en fait. Vous savez qu'on utilise les machines. Les usines utilisent les machines et ces machines ont des quotas de production. Par exemple, une production peut être peut-être de 10 000 pièces par production. Et on peut faire moins que ça. Donc, comme on produit votre produit, on produit vos produits, ça signifie que, bon, excusez de la tautologie, hein. Donc, comme on va produire vos lait de toilette et tout, on va faire, donc les positions seront élevées de 5 000 pièces, 10 000 pièces, 50 000 pièces, et ainsi de suite. Maintenant, au niveau de la personnalisation, c'est-à-dire, si vous prenez déjà les produits de l'entreprise, vous utilisez les ingrédients de l'entreprise, mais c'est pas comme si vous faites le faux, non. Les ingrédients de l'entreprise, c'est-à-dire, vous cherchez, vous savez que beaucoup de produits n'ont pas les mêmes ingrédients. Beaucoup de produits n'ont pas les mêmes dosages. Donc, vous allez prendre les ingrédients de l'entreprise, vous allez prendre peut-être une entreprise ou bien une gamme de lait de toilette, par exemple, et vous allez lire les ingrédients. Si ça vous arrange, là, vous faites la personnalisation du packaging. J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de dire. Les gens, vous pouvez aussi faire la personnalisation du packaging uniquement, mais ça ne signifie pas que vous utilisez les ingrédients des autres ou que vous copiez totalement. Non, ça signifie que vous avez déjà votre idée, vous avez déjà vos ingrédients que vous voulez peut-être que le lait soit fait à base de taking, donc oui. Vous avez peut-être besoin
des ingrédients, peut-être que votre produit soit peut-être éclaircissant, qu'il est ceci, qu'il est cela. Donc, et vous regardez les ingrédients de cette entreprise, ainsi c'est exactement ce que vous recherchez. Vous faites personnaliser. Et ce que je recommande à ceux qui commencent, ceux qui sont au début, quoi, dans leur début, qui n'ont pas assez d'argent vraiment pour commencer avec des grosses productions. Maintenant, ceux qui sont déjà habitués, ceux qui ont déjà, qui sont déjà habitués, qui peuvent prendre des grosses productions, ok, vous lancez sur la personnalisation en général, c'est-à-dire personnaliser tout, des produits jusqu'au packaging. D'accord? Bon, ok, je vais vous montrer la vidéo, comment j'ai reçu à la maison les produits et tout, mais excusez-moi, je vais devoir cacher le logo parce que c'est leur logo en fait. C'est leur logo, c'est une nouvelle marque, c'est pas à moi de publier, c'est pas à moi de montrer le logo, vous comprenez? Donc je vais cacher, là vous allez pouvoir cacher, c'est leur logo en fait. Donc voilà les amis, j'espère que vous faites de bonnes affaires, j'espère que tout va bien de votre côté. Moi, ça va, on a 6 minutes. Et la vidéo des produits a, je pense, c'est 2 minutes. Hein. Ça signifie qu'on aura une vidéo d'environ 9 minutes. D'accord, les amis, mais c'est pas grave, ça le plus important. Donc, ceux qui sont intéressés par ce genre de business, qui veulent faire personnaliser les produits en Chine, c'est-à-dire les produits de beauté, d'entretien de la peau, ou alors d'autres produits qui sèchent. Il y a aussi, nous avons déjà aussi fait, aider des gens à faire personnaliser des chapeaux, des perruques, des, qu'on appelle ça, des sacs pour envoyer des perruques, des emballages, tout, on a l'habitude de le faire également. Donc, mais là, je n'ai pas eu l'occasion de publier. Je pense que les prochaines fois, je vais publier quoi. D'accord, les amis, bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo qui est déjà très longue. Elle est déjà vraiment longue. Donc, regardez la vidéo des produits reçus. Je les ai reçus à la maison parce qu'il fallait que je contrôle la quantité et tout. Vous comprenez quoi? Donc, voilà la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. OK. Bye.